Ooh, rowdy Jesus, son of God. You need to go and get them subscribers, money for the chicken. Go and get what? Power up. Go and get. Power up. Go, go. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Dirty Biology. En avril 2013 sortait Islandiga App, une application pour Android qui permettait à tout Islandais de vérifier sa relation de parenté avec un autre Islandais, par un simple contact de smartphone à smartphone. Le but de cette application n'était pas uniquement d'étancher la passion dévorante de ces vikings pour la généalogie, mais aussi de s'assurer que la personne qu'on est en train de draguer n'est pas son cousin ou sa cousine. Pour le dire autrement, la fonction de cette application est d'éviter de grivoiser à sec un membre de la famille par mégarde. Avec une petite population d'à peine plus de 320 000 individus et majoritairement composée d'Islandais de souche issus des premiers peuplements datant du 9e siècle, on peut sans peine imaginer que les Islandais sont en fait une très grande famille, et qu'ils ont tous un lien de parenté plus ou moins distant entre eux. Grâce à l'Islandigabok, une base de données qui compile la généalogie de près de 95% des Islandais qui ont vécu dans les 1500 dernières années, n'importe qui peut donc savoir qui est son cousin ou sa cousine, et donc éviter de faire des bébés consanguins. Ce qui, a priori, est plutôt une bonne idée. Mais est-ce vraiment si grave que ça ? Est-ce que la consanguinité est un vrai problème? La réponse va certainement vous surprendre, et pour comprendre le sujet, il faut encore parler de Charles Darwin. Darwin a été le pionnier des études des effets de la consanguinité chez les êtres vivants, par une série d'expériences sur 57 espèces de plantes, par lesquelles il tentera de comprendre pourquoi les végétaux, qui pourraient très bien se féconder eux-mêmes tout le temps, ne le font pas tout le temps. La réponse est simple. Ça fait des gosses qui tiennent pas la route. Darwin en savait quelque chose parce qu'il s'est lui-même marié à sa cousine au premier degré, Emma Wedgwood. Non seulement les deux avaient les mêmes grands-parents, mais en plus leurs grands-parents eux-mêmes étaient cousins. Bref, la consanguinité dans la famille Darwin-Wedgwood était plutôt élevée, et Charles lui-même était très souvent malade. Parmi les 10 enfants qu'ils ont eus, 3 sont morts avant d'atteindre l'âge de 10 ans, et sur les 6 qui se sont mariés, 3 étaient stériles et n'ont jamais eu d'enfants. Bref, la consanguinité, ça fait des gosses qui tiennent pas la route. L'origine des problèmes est relativement simple. Nous possédons deux versions de chaque gène, l'une vient de papa et l'autre de maman. Parfois, l'une des versions est mutée et n'est pas fonctionnelle. En général, c'est pas trop grave parce que l'autre version est là pour assurer le coup, du coup on peut vivre notre vie sans subir les effets de la mutation. On est alors un porteur sain. Le problème, c'est que quand les parents sont des membres de la même famille, ils ont beaucoup plus de chances de partager la mutation. Si vos parents sont frères et sœurs, et je suis désolé pour vous si c'est le cas, ils ont en moyenne la moitié de leur gène en commun. Si l'un possède une version du gène qui est mutée, eh ben il y a de fortes chances que l'autre aussi. Et au final, c'est vous qui vous retrouvez avec les deux versions du gène qui sont mutées et non fonctionnelles. Si vos parents sont cousins, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes grands-parents du côté paternel ou maternel, eh ben ils ont encore 12,5% de leur gène en commun, en moyenne. Ça reste quand même assez dangereux pour vous. Ce qui est étonnant, c'est que pendant longtemps, le mariage entre cousins n'était pas du tout mal vu. Parmi les célébrités qui se sont mariées avec leurs cousins, on peut citer Jerry Lee Lewis et sa cousine Myra. Albert Einstein et sa cousine Elsa, Franklin Roosevelt et sa cousine Eleanor, Saddam Hussein et sa cousine Khadija, etc, etc. Et ça me fait vraiment chier de mettre Albert Einstein dans la même liste que Saddam Hussein. Aujourd'hui encore, le mariage entre cousins est parfaitement légal en France, et dans certains pays, c'est plus de la moitié des mariages qui se font à l'intérieur de la famille, comme au Pakistan, en Mauritanie ou au Soudan. Mais la question est... est-ce que la consanguinité est un vrai problème évolutivement parlant? Il faut se rappeler que le succès évolutif se mesure en nombre de descendants. Plus vous avez d'enfants, de petits-enfants, de petits-petits-enfants, plus ceux-ci propageront vos gènes dans le temps. A l'inverse, si vous ne faites pas d'enfants, vous êtes un cul-de-sac évolutif du point de vue des gènes que vous transportez. On a vu qu'une forte consanguinité augmentait les chances d'avoir des maladies génétiques et d'être stérile, comme c'était le cas pour les Darwin par exemple. Mais en fait, tout est question de degré. Revenons en Islande. Grâce à la généalogie extrêmement précise dont je vous parlais précédemment, des chercheurs islandais ont pu comparer le nombre d'enfants que faisaient des couples très consanguins, des couples un peu consanguins et des couples pas consanguins du tout. Et pour chaque couple, ils ont pu regarder l'espérance de vie de leur progéniture, mais également le nombre d'enfants que ladite progéniture produisait. Au début, tout est normal. Les couples de cousins ont plus d'enfants que les autres parce qu'ils se connaissent depuis l'enfance, donc ils s'installent plus vite et ils ont des bébés plus tôt. Le problème, c'est que les bébés, ben, ils sont un peu en carton. Leur espérance de vie est largement plus faible que celle des gens dont les parents ne sont pas cousins au premier degré. Et même ceux qui survivent à leurs problèmes génétiques font beaucoup moins d'enfants que les autres, comme ça a été le cas dans la famille Darwin, dont plusieurs enfants étaient stériles. Bref, même si le calcul était bien joué de la part des parents cousins au début, ils se retrouvent avec moins de petits-enfants à terme. C'est ce qu'on appelle la dépression de consanguinité, et ça, évolutivement parlant, c'est la lose. La réponse évidente serait de dire bah, il ne faut pas de consanguinité du tout. La diversité, c'est la clé, mélangeons-nous avec des gens les plus différents possibles, etc, etc. Et ben, c'est faux. Pour les Islandais, faire des enfants avec quelqu'un de très distant, génétiquement parlant, équivaut à faire non seulement très peu d'enfants,
mais également très peu de petits-enfants. En fait, le résultat des courses est même pire que lorsque l'on bourrine sa cousine au premier degré. La raison de ce phénomène est encore assez mystérieuse, mais quelques pistes théoriques existent. Il se trouve que les gènes de notre ADN ne travaillent pas tout seuls, et sont adaptés à travailler en collaboration avec d'autres gènes. Lorsque vous avez des enfants avec quelqu'un qui est très distant génétiquement de vous, il se peut que ces gènes fonctionnent assez mal avec les vôtres, et que le bébé aura une santé pas top. Bon, cet effet qu'on appelle la dépression hybride est encore très mal connu chez l'homme, donc ne vous privez pas d'avoir des enfants avec des gens très différents, d'accord? Ceci étant, l'effet existe bel et bien en Islande, et la conséquence incroyable est qu'il existe un optimum de consanguinité à avoir pour avoir le plus de descendants possible. Révélation choc, trousser son cousin ou sa cousine au troisième degré, et la meilleure façon d'avoir le plus de descendants possible. Les couples cousins au troisième degré, donc des gens qui partagent des arrière-arrière-grands-parents, ont en moyenne deux petits-enfants de plus que les gens qui n'ont aucun lien familial. On n'a que 0,78% de nos gènes en commun avec ces cousins-là, donc le risque de partager les mêmes gènes pourris est quand même très très faible. Il y a très peu de chances que l'on subisse la dépression de consanguinité. Et en même temps, les gènes de ces cousins ne sont pas trop exotiques par rapport aux nôtres, et on ne subit pas la dépression hybride. Je le redis autrement parce que c'est très choquant pour nous et pour notre culture, mais cette étude démontre qu'il est préférable en termes évolutifs de faire des enfants à sa cousine au troisième degré plutôt qu'à quelqu'un qui ne vient pas du tout de la famille. À retenir, un peu d'inceste bien dosé est une bonne idée. Sur ce, je vous laisse, il faut que j'y aille. Tu viens ? Maman ! Ok ! Ah!